Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une petite vidéo où on va parler essentiellement de la refonte d'Astrub qui va bientôt arriver. Donc ça avait été annoncé par Ankama lors du calendrier en début d'année, ça a été annoncé il y a quelques jours dans une sorte de mini micro-blog, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et aujourd'hui ils ont sorti un dev-blog donc sur le sujet, on va regarder ça ensemble. Il y a pas mal de news ces derniers jours, il y a notamment le week-end gratuit, c'est ce week-end, donc à partir de ce soir, donc c'est voilà, jusqu'au lundi 26 février, vous pouvez vous connecter sur vos comptes sans être abonné et vous pouvez avoir accès à tout le contenu donc qui est habituellement payant, enfin pour les abonnés quoi. Tout est gratuit, donc c'est voilà, week-end gratuit de Dofus, on peut appeler ça comme ça, il y a des week-ends gratuits de plein de jeux, d'Overwatch, de machin. Bah là c'est week-end gratuit de Dofus, donc c'est vraiment cool qu'ils fassent ça. Pour les anciens joueurs, si vous avez envie de tester des nouveautés, des choses comme ça, ou des gens qui ont envie de jouer gratuitement, bah n'hésitez pas, c'est plutôt cool. Donc on va regarder ce qui nous intéresse quand même, il y aura un ask aussi de Ankama à la fin de la vidéo, mais on va regarder tout concernant... tout ce qui concerne Astrub notamment, parce qu'ils ont annoncé sûrement l'arrivée d'un Dofus, vous allez voir. Donc voilà, ça c'était le micro-blog, c'était il y a 3 jours. Donc nous l'avions annoncé dans le Gamaknin avec le calendrier, c'est ce que je vous avais dit en début d'année. La ville d'Astrub va subir un net ravalement de façade à tout point de vue. Design, accessibilité, quête, premières infos ici. Donc voilà, ils vont faire quelques refontes. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que Ankama fait des refontes au niveau des designs, des graphismes, etc. de certaines zones au fur et à mesure du temps. Donc on a parlé du design des personnages. Ça a fait beaucoup de fois, surtout que c'était quelqu'un qui travaillait chez Ankama, mais que c'était pas du tout sûr, c'était du working progress. Enfin, ça a fait quand même beaucoup parler, la vidéo a été beaucoup vue et tout. Mais là, c'est vraiment pour la zone d'Astrub, ça a été annoncé, donc ça va vraiment avoir lieu, ça c'est sûr. Donc nous avons demandé à Mary Pumpkins et Alden, tous les deux fortement impliqués dans la refonte de la ville mercenaire, de nous donner leurs impressions. Donc voilà, c'est un nouvel Astrub, donc une nouvelle ville. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent réduire l'ampleur de la ville et clarifier la navigation à travers les différentes zones. Donc franchement, Astrub, je pense que c'est la ville la plus connue, on va dire, celle qui donne le, enfin qui fait le plus penser à Dofus tout simplement, parce que c'est la zone auquel on accède sans être abonné, où on a accès à nos premiers hôtels des ventes, il y a la forêt d'Astrub avec les presse-pics, etc. Enfin l'ancienne version sur la 1.29, et on se souvient tous voilà de l'image de ce zap où il y a 10 000 mecs qui balancent, qui floutent le canal, achètent code audio, test avant, nounoub no arnaque, voilà, achètent tous vos offres en or, je vous donne 10% de vos camas, etc. Donc voilà, donc ça c'est une image du zap d'Astrub, donc ça fait quand même un énorme changement. J'espère qu'ils laisseront la map pour les Battle Royale, justement. Donc, alors, je peux pas quitter si c'est bon. Le centre-ville regroupera désormais tous les éléments fréquemment visités, donc HDV, banque, zap, etc., sur un très petit nombre de maps, donc c'est pour que ce soit beaucoup plus accessible facilement. Ce secteur fera office de hub, distribuant les joueurs vers les zones extérieures. Donc il y aura un faubourg aussi qui représentera le reste de la ville, qui contiendra les ateliers et autres points d'intérêt. Donc voilà, on a la route ici des champs, donc je suppose que ouais, ça va être... lié au donjon des champs, etc. Là où il y avait tout le blé et tout, toutes les ressources, etc. Donc il y a toujours une volonté de simplification. Nous avons pris le parti de tracer les grandes routes à travers les zones menant aux quatre coins, Cardinaux, Tenella, Pandala, Amakna et Almanax. Le monde des 12 manque en effet de voies terrestres indiquant la direction vers telle ou telle zone. Il n'est pas exclu que ce travail commencé sur Astrub soit étendu au reste du continent. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'ils vont peut-être simplifier, tracer plus de routes, peut-être mettre des affichages plus clairs, etc. Bon après on le voit sur la map clairement, mais bon. On continue avec les quêtes du nouvel Astrub, parce qu'évidemment il y en aura une nouvelle quête. Donc en gros ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont revu la quantité donc de quêtes à la baisse pour éviter du coup de décourager les débutants, parce qu'ils pensent qu'il y a trop de quêtes actuellement sur Astrub. Donc ils réduisent le nombre, ils en créent donc de nouvelles avec voilà des nouvelles quêtes inédites que je pense on pourra tous refaire. Et du coup, il y aura toujours un petit peu la même base, il y aura toujours le Mours, il y aura toujours Kérubim. Donc voilà, ils disent, soyez rassurés, vous pourrez toujours vous adonner à votre passion. Et les amis, écoutez bien la suite. Si vous parvenez à accomplir tous les succès liés à Astrub, vous remporterez un prix d'exception, le Dofus argenté. C'est-à-dire qu'Ankama est en train de préparer un nouveau Dofus, donc qui sera évidemment lié aux quêtes du nouvel Astrub, et à mon avis qui sera une puissance à peu près autour du level peut-être 20, 30, 40, quelque chose comme ça, je sais pas exactement, mais plutôt bas level. Donc ça c'est très bien, ça veut dire un Dofus accessible à bas niveau, donc avec le système de quêtes, donc assez facilement obtenable, et donc bah, tout nouveau Dofus
c'est pas primordial bien sûr, mais j'ai hâte de voir le skin et ce qu'il va donner. Donc faut pas oublier que ce sera pour bas level, donc je pense que ce sera un petit peu moins fort que le Dofus Kawad techniquement. Après bon, des fois ça dépend un peu des levels, mais globalement les Dofus ça reste toujours un peu intéressant, à part bon le Dokoko, enfin si le Dokoko est quand même très utilisé, je voulais dire le Dofawa qui est vraiment nul, bon parce que ça donne un Vita, mais bon ça reste quand même Astrub, là voilà, je pense que ça va donner plus qu'un en Vita, et c'était le Dautruche aussi qui était vraiment nul, mais c'était pas vraiment un Dofus. Enfin voilà, il y a des choses des fois qui sont pas terribles, mais je pense que là ce sera sympa pour bas level, on verra de toute façon, mais à mon avis ce sera sûrement pas utilisable pour les levels 200. Donc une autre image, donc avec l'atelier des alchimistes, vraiment très sympathique, hein, c'est assez joli. Voilà, là c'est vraiment, on voit que c'est fait pour le full screen, le 16-9, etc. Et donc, on va sortir, enfin, est sorti donc le dev blog aujourd'hui à 17h, et on va regarder ça. Donc on a commencé à vous en parler dans le microblog, ce qu'on lisait juste avant. La ville mercenaire d'Astrub a suivi un ravalement de façade complet, donc on découvre les coulisses, évidemment. Donc là, déjà, on a quelques images qui sont très sympathiques, et plus bas, vous allez voir, c'est assez joli. Ils commencent par dire que leur démarche initiale, donc c'était de remettre Astrub au propre, de rafraîchir le level design pour qu'anciens et nouveaux joueurs puissent découvrir ou redécouvrir cet endroit emblématique du jeu, ça c'est clair. Hein. Donc les influences ont été nombreuses lorsque nous nous sommes lancés dans la refonte d'Astrub. Donc ils disent lorsque nous nous sommes lancés, ça veut dire qu'à mon avis c'est vraiment sur la fin où c'est fini et qu'ils ont déjà fait plusieurs recherches graphiques, et je crois qu'ils en parlent d'ailleurs un petit peu plus bas, mais que justement ils ont presque fini, hein, c'est clair. Donc l'objectif c'était de rationaliser la ville, de l'organiser pour que les flux des joueurs soient distribués de façon homogène sur toutes les cartes, hein, comme il disait précédemment. C'était important pour nous car cela apporte de la vie dans la ville. La cité est sensiblement plus petite, mais il est beaucoup plus efficace et pratique de s'y déplacer. Nous avons pris soin de ne pas mettre d'élévation et de rester sur un plan plat pour ne pas perdre le joueur. Pardon. Nous avions dans l'idée au départ d'intégrer des arrière-plans où la cité d'Astrub serait construite sur plusieurs niveaux. Et bien écoutez, il y a la recherche graphique justement en pré-prod, donc ça veut dire avant la production, que je trouve très sympa. En fait, moi j'aime bien. Donc ils ont décidé de l'enlever ça, de mettre quelque chose de simple. Ils disent que ça nuisait réellement au déplacement, sachant qu'Astrub accueille de nouveaux joueurs, nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir un level design compliqué. Je trouve au contraire que c'était très joli avec plusieurs plans. Après c'est mon avis personnel, donc c'est bon, c'est des recherches hein, de design, ça va pas être comme ça, les vrais screens sont après. Mais en tout cas moi j'aimais bien justement, ça crée de la profondeur et ça donne une impression de grandeur à la ville alors que justement elle est plus petite. Donc ça veut dire aussi, voilà, ce qu'ils disent c'est que la ville sera plus petite qu'auparavant, donc qu'actuellement plutôt, mais les choses seront concentrées, donc c'est-à-dire qu'il y aura une zone avec les hôtels des ventes, une zone avec les ateliers, et je pense que dans les hôtels des ventes ils comprennent banque, etc. Donc voilà, la vieille ville d'Astrub, nous avons ajouté de nouveaux éléments dans Astrub pour renforcer les racines mercenaires de la ville profondément ancrée jusque dans l'architecture des bâtiments de la cité. Certes, cet hypercentre regroupe donc les points névralgiques importants, la tour de la milice, la banque, les hôtels de vente, Zap, etc. Donc là, c'est regroupement d'activités dans la vieille ville d'Astrub. Donc nous avons conservé le background historique, donc le temple divin qui accueillera les âmes fraîchement incarnées dès leur arrivée dans le monde des 12 depuis Incarnam. Donc dès qu'ils seront sortis d'Incarnam, ils atterriront donc dans ce temple divin. Et la liaison entre Incarnam et le plan matériel est désormais assurée par un hyper Zap qui téléportera le joueur dans le temple divin. Cette liaison manquée de cohérence auparavant descendait par un ballon et on remontait par une statue. C'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faire ce changement nous chatouillait depuis un moment. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Les hôtels de vente ont été fusionnés, ça c'est plutôt cool aussi, et classifiés en 3 catégories. Ça simplifie énormément la chose, hein, clairement. Donc il y a une catégorie ressources, une catégorie consommable et une catégorie équipement pour garder de la cohérence donc avec votre inventaire, enfin l'inventaire des joueurs, hein, bien évidemment. Donc ils ont apporté une attention particulière à ce qu'une carte ayant un point d'intérêt important, donc un Zap par exemple, ne soit pas une carte où les joueurs ne font que passer pour aller vers un autre lieu. Cela avait pour conséquence de ralentir la progression des joueurs qui ne faisaient que passer par là. Ok, donc ils veulent qu'ils aient accès à plusieurs choses sur les mêmes cartes, donc c'est pour ça qu'il y aura d'un côté la vieille ville et de l'autre côté voilà les faubourgs d'Astrub hein, qui sont là. Donc autour de la vieille ville il y a les faubourgs, donc on y trouvera les ateliers de craft disposés de façon à ce que les métiers complémentaires soient proches les uns des autres. Donc ça c'est normal, hein, c'est déjà fait avec les ateliers je pense dans les villes et tout, donc c'est normal que ça se suive sur Astrub. De nouveaux éléments font leur apparition, pardon. Un enclos public voit le jour, une bibliothèque et une nouvelle zone, l'exploitation minière, les carrières prendront une place plus importante dans l'aventure avec une nouvelle famille de monstres.
monstres. Ah, ils rajoutent des monstres. Ok. Bah, j'ai hâte de voir la tête des monstres. Quand le nouvel Incarnam était sorti, je trouvais que les monstres étaient super sympas. Avec les bouffetous qui sont nuageux, etc. Je sais plus exactement leur nom. Mais en tout cas, c'était très sympa. J'aimais bien voir le skin, l'animation et tout. Donc, ça, c'est les choses qui m'intéressent. J'espère qu'on verra des monstres assez rapidement. Il est plus facile de trouver son chemin. De larges routes menant vers les points cardinaux du monde des 12 ont été tracées. Donc, c'est un réseau de voiries complet qui est né avec ses routes principales et secondaires. Des panneaux placés au bord du chemin vous indiqueront maintenant la direction à suivre. Bon, sinon, on ouvre la map, hein, c'est aussi simple. Mais ça, c'est assez cool d'avoir des panneaux qui vous indiquent. Bon, ça fait un petit peu roleplay quand même d'avoir les indications vers telle ville avec les petits panneaux. Donc voilà, ils ont l'air de vouloir regrouper les zones, hein, clairement, c'est ce qu'ils disent au niveau de leur fonctionnalité, et de rendre plus petite la ville d'Astrub, tout en étant plus fonctionnelle, et ils disent aussi, je crois qu'ils ont mis à un moment, qu'ils gardaient en fait, ils le disent là, ils ont conservé le background historique, ils ont conservé la muraille, mais elle n'entrave désormais plus les déplacements des joueurs. C'est-à-dire qu'ils gardent la muraille, mais elle sera ouverte sur toutes les maps où il y a la muraille. C'est pas ouf au niveau protection, mais si on réfléchit, mais ça veut dire que les joueurs pourront se déplacer facilement à travers la muraille et donc pas être obligés d'aller à la sortie nord, sortie est, sortie ouest et sortie sud d'Astrub comme actuellement. Donc voilà, donc voici pour les informations d'Astrub. Franchement, je trouve ça cool. C'est dommage, j'aimais vraiment beaucoup, ça m'a beaucoup plu ce petit design là, ce petit working progress, enfin ancien screen de ce qui pouvait être Astrub. J'aimais beaucoup le côté grandeur avec un truc au premier plan, au deuxième plan, etc. Non, j'aimais bien. Bon, en tout cas, j'ai quand même hâte que ça sorte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le nouveau Dofus argenté, bien évidemment, le skin aussi, putain, j'ai trop hâte. Non, ça va être sympa, ça va être sympa. Et donc, dernier petit truc, donc ça c'est assez rapide, je voulais passer, on va passer assez rapidement dessus. C'était des questions qui avaient été posées à Ankama, et du coup ils ont fait une sorte de FAQ où ils ont donné des réponses. Donc je vous fais assez rapidement le truc, on va pas lire en détail tout, mais je vais vous donner les réponses un petit peu ce qu'ils ont donné. Donc des joueurs, beaucoup de joueurs ont demandé s'il y avait une nouvelle dimension divine qui verra le jour. Donc ils ont répondu que non, c'était pas prévu, qu'en gros c'était pas au programme, mais que ça pouvait arriver un jour, c'était pas exclu que ça arrive, surtout avec des systèmes d'event. C'était arrivé d'ailleurs avec Ekaflippus quand le film était sorti, mais que c'est pas prévu actuellement. Donc est-ce qu'il y a une modification prévue pour le score d'idole 508, parce qu'ils sont conscients du problème que posent les idoles, qui sont en fait trop facilement contournées avec et nu. Enfin, vous connaissez hein, le système d'idole 508, je pense que vous voyez ça tout le temps avec des coriandres en masse, aux villes, dans les arènes, etc. Et je pense que le Nidas aussi est méga farmé parce qu'il donne beaucoup d'XP et tout. Enfin voilà, il y a plein de choses hein, qui sont farmées avec les idoles. Donc en fait, ils ont prévu de réduire de façon significative le nombre d'idoles disponibles, mais leurs contraintes ne pourront plus être aussi facilement contournées. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça va être modifié. On sait pas quand, on n'a pas d'infos. Mais voilà, ils disent que c'est un chantier assez conséquent et qu'ils ont déjà commencé et qu'ils espèrent pouvoir le proposer en 2018. Donc voilà, et mieux équilibré en 2018. Donc sûrement cette année. Après, on n'en est pas sûr, donc ça veut dire qu'il y a encore un moment pendant que les gens vont pouvoir farmer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent aussi du sacrilleur actuel? Donc ça, c'est hyper important. En gros, ils disent qu'ils sont contents de... Ils sont globalement satisfaits des dernières modifications, mais ils ont des points à améliorer. Donc, ils trouvent que la redondance et la rigidité du système de souffrance est embêtant. Donc, ils vont travailler sur le sujet afin de rendre ce système plus intéressant et plus fluide. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une énième modification du sacrilleur, mais c'est pas plus mal. Hein. Je pense que les joueurs sacrilleurs, ils seront d'accord avec moi. Le sacrilleur, bon, le système de souffrance est pas ouf. Sinon, ils ont l'air globalement satisfaits quand même, mais c'est loin d'être parfait, hein, c'est ce qu'ils disent. Et le sacrilleur étant une classe de mêlée, ils doivent donc naturellement s'exposer pour utiliser les sorts offensifs, mais il n'a pas les outils pour survivre suffisamment longtemps s'il est en souffrance positive. Donc nous allons travailler sur des façons de rendre le sacrilleur plus résistant dans cette situation. Donc ça, c'est des choses importantes à savoir, c'est que le sacrilleur va encore avoir des modifications, on ne sait pas quand. Pareil pour le Dofus Vulbis, beaucoup de questions sur justement quand est-ce qu'il passera en quête, parce que la plupart des Dofus sont passés en quête. Donc ils disent que c'est pas prévu tout de suite, donc ils veulent le proposer en quête, mais que justement
Quand on fait un système d'obtention de Dofus par quête, ça demande beaucoup beaucoup de travail justement pour l'élaboration de l'histoire, des quêtes, etc. Et justement, bah, ils en posent des questions, ils disent est-ce que justement c'est Crocabulia qui est sa créatrice, ou bien seulement sa gardienne, dans quelles conditions du coup il est apparu ce Dofus, etc. Donc il y a plein de légendes et tout sur lesquelles ils vont travailler. Donc voilà, ils disent il y a un travail narratif important, et du coup avec des nouveaux monstres, des nouveaux combats, il y a un boss spécial, etc. Donc c'est possible que ça arrive, mais c'est pas prévu tout de suite. Donc voilà, ça arrivera un jour, c'est sûr, mais c'est pas prévu tout de suite, donc ne vous attendez pas à court terme d'avoir le Dofus Vulbis en quête. Et dernier point aussi très important, je sais que, voilà, ça j'ai reçu énormément de messages concernant cette question. Est-ce qu'il y a un retour du paiement par SMS qui va être disponible au Maroc et en Amérique latine de nouveau, en fait, parce que il y a eu donc pendant très longtemps un système donc de paiement, d'abonnement par SMS qui était disponible, voilà, au Maroc, en Amérique latine. Donc en France ça a toujours été dispo, mais c'est toujours dispo, et actuellement, enfin, ça a été supprimé en fait il y a quelques mois, années même déjà, ça fait un long moment. Donc en fait on ne peut plus s'abonner par SMS au Maroc et donc en Amérique latine. Ils disent clairement qu'ils sont conscients, hein, que ce moyen de paiement il est populaire auprès des joueurs marocains et donc d'Amérique latine, mais ils ne peuvent pas réactiver ce moyen de paiement parce qu'ils ont un manque de moyens de contrôle mis à la disposition d'Ankama. Donc je pense que c'est avec justement des entreprises tiers, peut-être qu'ils ont des problèmes liés à ça, je sais pas exactement. En tout cas, ils disent que ce sera pas possible de le réactiver, mais qu'ils essayent de travailler avec différents partenaires de paiement pour proposer des alternatives à ce type justement de moyens de paiement. Donc ça va pas revenir malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. J'ai beaucoup d'abonnés marocains justement. Enfin, c'est essentiellement. J'ai eu quelques personnes en Amérique latine, mais j'ai eu essentiellement quand même beaucoup de Marocains qui m'avaient envoyé des messages justement. Est-ce que j'avais des informations là-dessus ou est-ce que ça allait revenir et tout. Donc désolé les amis, mais ça ne va pas revenir malheureusement. Donc voilà, on a eu un petit peu les infos d'Astrub et la petite FAQ très rapide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant Astrub, l'idée, hein, du potentiel G de ce Dofus argenté. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, vous avez eu vos informations de la semaine. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye tout le monde.